Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon matin Terrebonne, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Et tu as même le droit de dire à quelqu'un à côté de toi, je suis content que tu sois là ce matin. On est rendu dans l'avant-dernier message de notre grande série visionnaire automnale sur notre mission, notre vision, notre identité. Notre mission à l'Église de Portail, c'est de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Notre vision, on prie, on travaille pour voir 10 sites de l'Église de Portail, 10 000 disciples. Et notre plan, c'est d'inciter tout le monde à passer au travers les 8 étapes de la vie du disciple, les 8 marques du disciple. C'est facile, c'est l'acrostiche disciple. Donc, on l'a vu, le disciple de Jésus décide de suivre Jésus. Il s'immerge, il se fait baptiser au nom de Jésus. Le disciple de Jésus sert les autres. C, il connecte avec d'autres disciples. I, il invite les gens autour de lui à la foi, il prie, il lit, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, le prochain message dont on va voir, il s'engage, le disciple de Jésus s'engage. Et ce matin, nous allons voir que le disciple de Jésus lit la Bible. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans l'Évangile de Luc, le 4e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas leur Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. Vous savez, pour les chrétiens comme nous, la Bible est vraiment importante. Nous, pour le type d'église, comme l'Église de Portail appartient à un type d'église qui croit ce qu'on appelle sola scriptura. Nous croyons que ce qui fait autorité en matière de foi et de pratique, c'est seulement la Bible. Donc, on s'appuie seulement sur la Bible. Si c'est dans la Bible, on y adhère. Si ce n'est pas dans la Bible, si c'est traditionnel, non, on pense que ce qui fait autorité, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est d'accord, dis amen. C'est pourquoi chaque semaine, on se tient ici, pas avec un rituel, pas avec les paroles d'un théologien ou d'un pape ou d'une église où on est là. À chaque semaine, on ouvre la parole de Dieu pour regarder ce que Dieu veut nous dire. Donc, on va voir un épisode où Jésus a justement utilisé la Bible. Et c'est ce qu'on voit ensemble, l'Évangile de Luc, 4e chapitre, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable conduisit plus haut, lui montra un instant tous les royaumes de la terre habités, et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée. » Et je la donne à qui je veux. Parenthèse, l'être humain, lorsque l'humanité s'est révoltée contre Dieu, on a donné le pouvoir à Satan. Le pouvoir de Satan, c'est le péché. Par notre péché, on lui a donné, donc on peut dire, Satan est le maître du monde, mais on sait que Jésus est le roi des rois qui revient, qui va établir son royaume. Mais le diable, c'est vrai, le diable a une influence sur la terre. Donc il dit, car ces royaumes m'ont été livrés, je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Troisièmement, le diable, le conduisant encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. » Là, il faut faire attention, le diable cite la Bible. Il donnera ses anges des ordres à ton sujet afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pli ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. 5 raisons pourquoi Jésus lisait la Bible. Et 5 raisons pourquoi tu devrais lire la Bible. Moi, j'ai un principe, si c'est bon pour Jésus, c'est bon pour moi. La première chose que j'aimerais dire, alors qu'on te présente l'image, c'est quoi ça? Ceci n'est pas un chrétien. Tu n'es pas appelé à être un punching bag. Tu n'es pas appelé à te faire attaquer constamment sans riposter. Le chrétien sera tenté. D'ailleurs, le mot ici, qu'on traduit par tentation, a un sens beaucoup plus large. C'est le sens d'éprouver. Écoute-moi bien. Tu seras tenté. Tu seras éprouvé. Tu seras testé.
tu seras attaqué. Ça fait partie de la vie. La Bible nous dit, Éphésiens 6, justement, étant donné qu'il y a des attaques, il y a des épreuves, il y a des tentations au niveau spirituel, la Bible dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de tenir bon dans les mauvais jours, parce que dans la vie, il n'y a pas seulement des bons jours, il y a des mauvais jours, et de pouvoir résister aux méthodes du diable, aux attaques du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière les circonstances, derrière les situations concrètes de la vie, il y a souvent des causes spirituelles. Et ces influences spirituelles ne sont pas toujours positives. Il y a des influences sataniques, démoniaques, c'est-à-dire il y a un diable. La Bible nous enseigne que Dieu est Dieu, Dieu est esprit. Dans le monde spirituel, il y a un opposant, un adversaire qui s'appelle le diable. Et de la même manière que Dieu a un plan pour ta vie, le diable veut mettre des embûches, veut mettre des entraves, veut t'empêcher de suivre Jésus. Et lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu fais un pas de foi pour Jésus, se produit quelque chose spirituellement. Alors que toute l'humanité s'est révoltée, lorsque toi, tu prends la décision, tu fais un pas de foi pour Jésus, voici ce qui prend place. Tu deviens très visible pour le diable. Moi, je crois que tout le monde, chrétien, non chrétien, tout le monde est éprouvé. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es immunisé contre les épreuves. Amen. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel en délivre. Maintenant, ce que je sais par contre, j'ai l'impression que j'ai des tentations en tant que chrétien que je n'aurais pas si je n'étais pas chrétien. Est-ce que juste moi? Est-ce que juste moi qui trouve que la vie chrétienne n'est pas toujours facile? Est-ce que c'est juste moi qui trouve que quelquefois il y a des tentations, il y a des combats que je n'aurais pas si je n'étais pas chrétien? Pourquoi? Parce que lorsque tu fais un pas, lorsque tu prends un pas pour Jésus, tu as une cible spirituelle dans le dos. Pourquoi? Parce que prendre position pour Jésus, c'est prendre position contre le diable. Prendre position pour le bien, c'est prendre position contre le mal. Prendre position pour la vérité, c'est prendre position contre le mensonge. Donc, tu ne peux pas dire « moi, je vais être un disciple de Jésus anonyme ». Mais la bonne nouvelle, c'est que le chrétien n'est pas une victime. Ne sois pas une victime. Ne sois pas quelqu'un de fragile. Ne sois pas quelqu'un qui fait que subir les circonstances de la vie. Parce que derrière ces tentations, on réalise que Jésus a été tenté par le diable, mais c'est qui l'a emmené dans le désert? C'est l'Esprit. Et voici mon point. Nous croyons que lorsque tu mets ta foi en Jésus, tu deviens une cible pour Satan, mais nous croyons que Dieu demeure toujours souverain. Et nous croyons qu'au travers l'œuvre de Satan, au travers les épreuves de cette vie, alors que le but de Satan, c'est de te démolir, de te détruire, de voler, d'égorger, de dérober, Dieu s'en sert, se sert des épreuves de la vie pour façonner son œuvre dans ta vie. Et ce qui peut sembler être une tentation démoniaque est souvent de fois un test divin. Nous ne sommes pas des victimes. Nous voyons au travers de toutes les épreuves, les circonstances, les difficultés, les tentations de la vie, nous y voyons une opportunité de grandir. Nous voyons l'œuvre de Dieu. Nous croyons qu'au travers de chaque épreuve, c'est une opportunité pour se rapprocher de Dieu et voir la gloire de Dieu dans nos vies. Dis ici, amen, alléluia, dis quelque chose. Et c'est pourquoi on n'est pas des victimes, parce qu'on voit ça comme un test divin. Et c'est intéressant parce que trois fois on parle du Saint-Esprit dans le texte. Trois fois, on parle du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Après, on voit que le Saint-Esprit le conduit. Et à la fin, on dit que Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est un peu comme à l'école. Tu ne peux pas accéder au prochain niveau si tu n'apprends pas la leçon de ce niveau-ci. Est-ce que tu peux aller en quatrième année si tu ne passes pas la troisième année? Tu ne peux pas aller au cégep si tu n'as pas fini ton secondaire. Tu ne peux pas aller à l'université, si tu n'as pas... Chaque étape est nécessaire. Et dans la vie chrétienne, il y a des gens qui se disent, « Comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes problèmes? » Est-ce que ça se pourrait que Dieu
soit en train de t'enseigner quelque chose que tu n'as pas apprise la leçon. La leçon n'a pas été apprise. Souvent de fois, et pas toujours, mais souvent de fois, on stagne parce qu'on n'a pas appris. Si tu n'apprends pas, il y a une tentation dans ta vie, si tu ne la surmontes pas, je te garantis qu'elle va continuellement revenir. Puis s'il y a un point, le chrétien n'est pas un punching bag. Oui, tu vas être attaqué, oui, tu vas être éprouvé, mais vois ça comme une occasion de grandir, vois ça comme une occasion de te permettre de marcher plus étroitement dans la vie de l'esprit. Maintenant, ne pas être un punching bag, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé quelquefois à répliquer spirituellement, à donner des coups spirituellement. L'apôtre Paul dit qu'il y a deux types d'armes. Il y a les armes défensives et les armes offensives. La Bible nous dit, l'apôtre Paul encore, il dit « Je frappe, mais non pas comme battant l'air. Arrange-toi pour que ta vie punche. » Arrange-toi pour que tes prières punch. Arrange-toi pour atteindre ta cible. Arrange-toi, cesse d'être une victime du diable et commence à être victorieux en Jésus. Amen. Mais comment? La Bible nous dit que cette même Bible est l'épée de l'esprit. Beaucoup de chrétiens sont des soldats qui se battent les mains nues. Tu as besoin de la Bible pour marcher de victoire en victoire. Les gens disent, non, mais moi j'ai le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit va toujours appliquer la Bible. Donc, tu as besoin. Et ça amène mon deuxième point. La Bible est l'épée de l'Esprit. Comment Jésus a contre-attaqué aux attaques du diable? Il est écrit. Jésus n'a pas commencé à dire « Satan, je te lis, je te lis, je te lis, je lis tous les démons. » Puis là, on redescend la généalogie jusqu'en arrière, mon arrière-grand-père. Jésus a dit simplement « Il est écrit. » Il est écrit. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien que la Bible est l'épée de l'Esprit. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire que premièrement, la Bible est une épée, la Bible est une arme. La Bible peut t'aider à avoir une vie victorieuse. Le problème, comme toute arme, elle peut également blesser les gens autour de toi. C'est pour ça que c'est important de bien manier la Bible. Donc, elle est une épée, c'est-à-dire, elle a du résultat, elle est efficace dans le combat spirituel, elle te permet d'avoir des victoires. Une histoire que j'ai lue il y a plusieurs années qui m'a toujours fait sourire, c'est une de mes histoires préférées. C'est une dame un matin qui lit le psaume 91. Puis je vous le lis. Le même psaume que le diable va citer en passant. Le psaume 91 nous dit, vous le connaissez bien, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. » Et l'image, c'est Dieu est comme une mère poule qui protège ses petits poussins. Et cette dame, un matin, lit ce texte-là et elle le garde dans son cœur, puis elle médite le passage. Et alors qu'elle est sur la rue, un voleur arrive puis tire son sac à main. Et là, elle commence, elle ne veut pas laisser aller son sac à main, puis le voleur tire. Puis là, il y a comme un petit combat qui prend place. Et elle, paniquée, la seule chose qu'elle va crier, c'est ce psaume qui vient dans son cœur, puis elle dit « Je suis couverte de plumes! » Il lui lâche le sac à main et s'en va. La réalité, la Bible est une épée. Elle est efficace. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est efficace? Mais c'est l'épée de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une arme spirituelle qui te permet de combattre dans l'invisible. Qui te permet de combattre ce qu'on ne voit pas, qui te permet de combattre au plus profond de ton cœur. J'ai lu un article parlant des petites bestioles et j'ai été surpris d'apprendre qu'une guêpe, une sorte de guêpe, qu'on appelle des guêpes zombies. Ce que ces guêpes font, c'est qu'elles vont paralyser une chenille et elles vont pondre des œufs à l'intérieur de la chenille. Mais la chenille n'est pas morte. Lorsque la chenille reprend ses fonctions, tout ça, à l'intérieur d'elle,
les œufs vont éclore et il y a des larves. Et les larves de la guêpe vont commencer à manger l'intérieur de la chenille, de l'intérieur. Mais ces larves sont vraiment brillantes. Elles ne vont pas manger les organes vitaux pour s'assurer que le frigo demeure frais le plus longtemps possible. Et tranquillement, la chenille va continuer, puis elle se fait manger de l'intérieur. Et à un moment donné, lorsqu'il n'y a plus de nourriture, là, on mange les organes vitaux et la chenille est morte. Je trouvais, quelle mort terrible! Le diable fait exactement la même chose. En mettant une tentation à l'intérieur de toi, le but du diable, c'est de te ronger à l'intérieur, de te ravager, de te tuer par en dedans. Et la seule manière de tuer les larves du diable, c'est par l'épée de l'Esprit, c'est de permettre au Saint-Esprit d'appliquer la parole de Dieu et de ramener la vie à l'intérieur de toi. Et regardez, trois tests, trois tentations, trois épreuves. Premièrement, le diable va tester l'identité de Jésus en disant, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de se transformer en pain. » Donc, en fait, c'est la tentation de l'avancement personnel, la tentation de prouver qui il est. Et Jésus va dire, « Non. L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Il va citer Deutéronome, chapitre 8, le verset 3. Ensuite, Satan va donner un deuxième test. Le test de sa relation avec les hommes, de la popularité, le test de la facilité, le test de devenir un seigneur, d'utiliser des raccourcis pour devenir le seigneur. Donc, le diable dit, je vais te donner tout ça. Et Jésus, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer Deutéronome 6, 13. Et encore une fois, le diable va revenir à la charge. Et là, il va vouloir le tester, le tenter, l'éprouver sur sa relation avec Dieu. Donc, le forcer à forcer Dieu. Prendre un verset hors contexte pour mettre Dieu au pied du mur, mettre le Père au pied du mur. Et Jésus dit non. Jésus va répondre encore une fois par un passage biblique. Il va répondre par Deutéronome 6, 16 en disant, « Tu ne provoqueras pas l'Éternel ton Dieu. » Le Saint-Esprit rappelle à Jésus les textes bibliques. Mais voici le point. Le Saint-Esprit peut difficilement te rappeler quelque chose que tu n'as jamais lu. Je vais le relire parce que vous voyez, moi je trouve ça très, très profond. Le Saint-Esprit peut difficilement te rappeler ce que tu n'as jamais lu. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses, j'en doute pas, mais la manière normale de fonctionner dans les choses spirituelles, c'est que tu fais ta job, tu lis la Bible, et lui fait sa job, il te rappelle la Bible. Mais ta job, premièrement, c'est de lire la Bible. Jésus a été capable d'utiliser la parole de Dieu, c'est qu'il avait déjà lu la parole de Dieu, parce qu'il cite textuellement la Bible. Et ça me fait penser, il y a quelque temps, il y a des amis chasseurs de l'Église qui nous ont invités à aller tirer du pigeon d'argile. C'est la première fois de ma vie que j'avais un fusil entre les mains, et tu mets des cartouches, et tu tires. Puis, vraiment, là, puis il y a quelque chose de particulier, quand c'est la première fois, tu t'adaptes, puis... Et il y a une image, un parallèle spirituel avec ça, mais tout d'abord, je présente la vidéo. As-tu fait une petite prière avant de tirer sur ce gun-là? T'es prêt? Go! Oh! 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 Paul! Fais attention, hein! Paul! Ça, c'est la vie, ça? Non. Paul! Oh! Derrière toi! OK, au-delà de vous montrer que j'ai un talent naturel pour le tir, l'autre tireur, c'est Abby, hein? C'était toi l'autre, hein? Donc, j'étais avec son père et d'autres amis de l'Église. La réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a une erreur de débutant. Tu es là, tu tires, puis à un moment donné, tu es comme frustré parce que tu as oublié de mettre des cartouches. Quand tu lis la Bible, écoute-moi bien, les gens disent « Pourquoi lire la Bible? » À chaque fois que tu lis la Bible, tu mets des cartouches dans ton fusil spirituel. À chaque fois, peut-être que tu n'en auras pas besoin aujourd'hui,
Peut-être que tu vas en avoir besoin dans 6 mois, mais tu mets des cartouches. Moi, chaque matin, je suis là, je lis ma Bible, et ce qui me donne de la joie, c'est que j'ai l'impression, quelquefois je vais lire un texte, je me dis « Lévitique, c'est quoi le rapport avec ma vie ce matin? » Je suis dans les généalogies, je suis dans l'Apocalypse, je suis dans Jude. C'est quoi le rapport? Il n'y a pas toujours un rapport direct avec ce que je vis, mais je sais que je mets des cartouches dans mon cœur, dans mon fusil spirituel. Et à un moment donné, dans un combat, au moment opportun, le Saint-Esprit va me rappeler la parole de Dieu. Je vais défaire le diable au nom de Jésus et j'aurai la victoire. Parce que j'ai lu la Bible. Et c'est important de lire la Bible parce que le diable est le plus grand étudiant biblique. Je l'ai mentionné, le diable va citer le psaume 91, le verset 11. Le diable connaît la Bible. Et non seulement il veut connaître la Bible parce qu'il veut la tordre, il veut s'en servir contre toi. Vous savez, quand on a des cours d'autodéfense, c'est simple, c'est que tu utilises l'arme de ton opposant contre lui. La Bible est l'épée de l'esprit. Et le diable veut virer ton épée contre toi pour te blesser. C'est pourquoi il y a tellement de gens dans les églises blessés par la parole de Dieu. C'est un paradoxe. Le diable ne va pas mettre beaucoup d'efforts à démontrer que la Bible est fausse. C'est peine perdue. Ce que le diable veut faire, c'est simplement insinuer le petit doute. Genèse 3, Dieu a-t-il réellement dit? Et moi, je vois en tant que pasteur, je vois plein de chrétiens blessés par la parole de Dieu. Ils ont laissé le diable les blesser. Jésus aurait pu être blessé par cette parole du psaume 91, le verset 11, mais Jésus connaissait le contexte. Jésus savait, alors que le diable tord le psaume 91, l'essence même du psaume, Jésus le ramène à l'essentiel, que l'ensemble de ce psaume ne parle pas de faire un miracle spectaculaire pour que les hommes t'applaudissent. Ce psaume parle de faire confiance au Père. Je te donne des exemples de chrétiens blessés par la parole de Dieu. Le psaume 103 dit qu'il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Amen, parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas guéris. Donc, il se dit, si je sers le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies, si moi je suis malade encore, c'est qu'il y a peut-être du péché dans ma vie, c'est que peut-être je n'ai pas assez de foi, je ne fais pas la bonne chose. Mais quand tu connais toute la Bible, 1 Corinthiens 12 dit qu'il y a des dons de guérison et parle des dons spirituels en disant c'est un don de la grâce, d'une faveur imméritée. Dieu ne donne pas la guérison parce que tu le mérites. Quand tu réalises encore une fois que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que la guérison que Jésus pourvoit à la croix, c'est non seulement la guérison physique, mais c'est une guérison spirituelle qui est tellement plus grande qu'une guérison physique éphémère, tout à coup, tu ne laisses pas le diable te blesser par le psaume 103. Des gens, par exemple, qui voient Job 1:8, qui dit que Dieu qui va dire au diable, « As-tu vu mon serviteur Job? » Moi, j'aimerais mieux que Dieu ne me voie pas. Puis, il y a des gens qui sont angoissés, qui ont peur de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui, ici ce matin, tu as peur de Dieu. Parce que pour toi, Dieu, c'est un peu un tyran. Puis tu dis que si Dieu a permis ça à Job, il va me le permettre. Il va le permettre dans ma vie, il va permettre l'épreuve. Donc, tu as l'impression que parce que tu n'es pas à la hauteur, Dieu va t'envoyer un drame, une crise. Donc, tu as peur de Dieu. Mais quand tu connais ta Bible, Jacques 1 nous dit que tout don excellent nous vient du Père. Tout ce qui est bon vient du Père, vient de Dieu. Nous avons un bon Dieu. Dis amen si tu le crois. Beaucoup de chrétiens sont blessés par Job, blessés par des textes qui disent que si quelqu'un a le Fils, il a la vie éternelle. S'il n'a pas le Fils, la condamnation de Dieu demeure sur lui. Combien de chrétiens continuent d'être sous la condamnation, de ne pas être à la hauteur, mais quand tu connais l'ensemble de ta Bible, tu connais Romains 8:1 qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le dis souvent, il y a des gens qui pensent le diable te blesse par l'épée de la parole de Dieu parce qu'il te fait croire que tu as commis le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Puis tu dis, il y a des gens, tu es ici et tu crois que tu as commis un péché impardonnable. Mais quand tu connais l'ensemble de ta Bible, tu connais 1 Jean 1:9 qui dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De tout péché. Des gens qui se font
Ils se font berner, tromper par le diable, par des versets qui disent « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Et ces gens-là disent « Dieu veut que tu sois en santé continuellement, que tu sois riche, il faut que ta vie soit parfaite, parce que sinon, il y a du péché dans ta vie. » Puis il y a des histoires qui circulent, des croisades de réveil, d'évangélisation, où on fait venir des apôtres. Puis ces apôtres ont besoin d'un soute neuf à tous les jours parce que l'homme de Dieu ne peut pas prêcher deux fois dans le même habit. Puis il prêche, il faut que tu sois riche. Puis la réalité, il y a des chrétiens qui sont blessés, qui sont trompés par ce faux évangile. Mais quand tu connais ta Bible, tu connais Jésus qui dit « Ne vous amassez pas un trésor sur la terre, mais cherchez les choses d'en haut. » Combien de gens sont blessés? Des gens qui ont été battus, des jeunes, parce que les proverbes disent que celui qui ménage sa verge est son fils. Puis il y a des gens qui, encore une fois, en tant que parents, on doit bien élever nos enfants, éduquer nos enfants, mais il y a de mauvais parents qui ont abusé de ce verset-là puis ils ont battu leur enfant. Mais quand tu connais ta Bible, tu sais qu'Éphésiens dit également « Père, n'héritez pas vos enfants ». Éduquez-les dans le Seigneur. Combien d'hommes vont, encore une fois, blesser les gens autour d'eux? Le diable va tordre la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, j'ai vu des hommes abusifs, des hommes colériques, manipulateurs, qui disaient à leurs femmes, prends ton trou, sois soumise. Alors que le verset précédent dit, soyez soumis les uns aux autres. Puis le verset qui suit dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aima l'Église. Donc, oui, le diable va prendre l'épée de l'esprit, il va blesser les croyants. Et je pourrais continuer combien de fois des gens qui vont prendre Exode 34.7, le diable va prendre Exode 34.7 et dire, tu vois ce que tu vis, ta vie est difficile parce que ton père a péché, ton grand-père a péché et Exode 34 dit que Dieu tient compte des péchés jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ouais. Puis il y a des gens, tu as l'impression d'être sous une condamnation générationnelle parce que tu as l'impression que de génération en génération, puis là, il faut que tu brises, il faut que tu travailles fort pour briser la malédiction générationnelle sur ta vie. Moi, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, il y a des gens qui m'ont dit, parce que j'ai fait de l'occultisme, j'ai fait toutes sortes de trucs au niveau de la sorcellerie, l'ésotérisme, on me dit, il y a des liens générationnels qu'il faut briser. Mais moi, j'avais lu ma Bible et la Bible dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Veuillez m'excuser de citer ce verset. Je pense que je cite trop ce verset-là de ce temps-ci, mais ça demande la parole de Dieu. Ça demande la parole de Dieu. Et Jésus même va le dire, à un moment donné, on va amener un aveugle et on va dire à Jésus, qui a péché? C'est lui ou ses parents? Puis Jésus va leur dire, vous êtes dans le champ. Ça, c'est ma version, là. Jésus dit, mais non, c'est pas que ses parents ont péché ou que c'est lui qui a péché. Cette maladie est là pour révéler l'œuvre de Dieu, la gloire de Dieu. Mais ça, tu peux le faire seulement quand tu connais la Bible. Moi, j'ai vu déjà un homme qui était pas content, puis je prêche sans censure. C'est comme ça au portail. Un homme qui était fâché parce que son fils, un beau petit blanc, sortait avec une noire. Puis lui disait, puis il prenait le verset de Genèse 26, 35, qui parlait des parents d'Ésaü. Lorsque Ésaü va vers une Cananéenne, il va dire, la décision, le mariage d'Ésaü a amené l'amertume dans le cœur des parents. Et combien de chrétiens, et même combien le diable nourrit le racisme de plusieurs chrétiens par la parole de Dieu. Vous savez, on a soutenu l'esclavage par la parole, par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais quand tu connais ta Bible, ça dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni grec, ni juif, nous sommes un en Jésus, peu importe ta couleur. Le diable connaît la Bible, connaît ta Bible. Pierre va le dire, il va parler de ceux qui, influencés par le diable, tordent le sens des Écritures, étant mal affermis. Lis la Bible, connais la Bible. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Parce que Jésus a lu, il a médité, il a mémorisé, il a étudié, appliqué et pratiqué la Bible. Si Jésus a fait tout ça, moi je pense que ça doit être bon pour nous. Je me répète. Il a lu la Bible. Vous savez, Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement pour démontrer que ce livre-là, inspiré de Dieu, vérité, parole de Dieu, est une nourriture spirituelle.
Je n'ai jamais vu, écoutez-moi bien, je n'ai jamais vu un chrétien en santé spirituelle qui ne lisait pas sa Bible. Jamais, jamais, jamais. Les apparences. Mais à l'intérieur, je n'ai jamais, jamais vu un chrétien en santé spirituelle qui ne lisait pas la Bible. Tu peux tromper les hommes, tu ne trompes pas Dieu. Mais à l'intérieur, c'est certainement pas la vie en abondance. Donc, tu as besoin de lire. Et c'est comme une bouchée. Lire la Bible, c'est comme prendre une bouchée. Jésus la lisait. Et ça me fait penser, puisqu'on parle de lit, dans notre acrostiche, c'est « lit ». Mais quand tu vois « lit », le disciple de Jésus « lit », comprends que c'est beaucoup plus qu'une simple lecture biblique. Il y a plusieurs années, lors de la Série mondiale, entre Chicago et Milwaukee, pour Chicago, on avait New York, excusez-moi, pour New York, on avait Yogi Berra, le receveur, qui est quelqu'un qui avait une grande trappe, qui parlait toujours, qui voulait distraire ceux qui venaient au bâton. Puis à un moment donné, tu as Hank Aaron de Milwaukee qui arrive, et là, il se prépare, Série mondiale, et là, tu as Yogi Berra qui commence à jaser, puis il dit « Hey Hank! » Hank, ton bâton, là, tu ne tiens pas du bon côté. Quand tu tiens ton bâton, tu devrais être capable de lire la marque du bâton. Hank, ton bâton est à l'envers. Tu ne peux pas lire ce qui est écrit sur ton bâton. Continuellement. Puis Hank Aaron, fait un coup de circuit. Fait les trois buts. Lorsqu'il arrive, il croise Yogi Berra et lui dit, je ne suis pas venu ici pour lire. Ce qui est le fun avec Rona, c'est que vous pouvez acheter en ligne et ramasser. Un genre de combat spirituel pendant que j'enseigne. Donc, encore une fois, c'est plus que lire. Nous sommes, c'est pas tellement lire la Bible, c'est être victorieux en Jésus. Puis tu dois la méditer, pas juste la lire, tu dois la méditer, c'est comme la mâcher. Tu as besoin de prendre la parole de Dieu et la laisser mijoter. Tu as besoin de prendre la parole de Dieu et réfléchir. Regarde, Jésus a cité trois références dans Deutéronome 6, 7, 8. Et ça, c'est un passage qui parle de l'expérience d'Israël au désert. Jésus a non seulement lu, il a médité à ce que ça voulait dire, comment ça s'appliquait à lui, tranquillement. Et moi, c'est pour ça que je t'encourage à lire la Bible le matin. Puis il y a des gens, vous êtes des gens du soir, puis c'est correct. Mais ce qui est bien le matin, c'est que toute la journée, tu es dans le trafic, tu es dans le métro, tu mijotes, tu médites. Et là, tout à coup, tu vas sortir le jus de la parole de Dieu. Et ça va changer ta vie. Non seulement lis la Bible, médite, mémorise la Bible. Ça, c'est comme l'avaler. Imaginez, quand le diable a tenté Jésus, si Jésus n'avait pas mémorisé la Bible, Jésus aurait dit, attends une minute, je vais aller sur Google chercher un verset, une promesse qui s'applique à ma vie. Non! Encore une fois, Jésus avait des cartouches dans son fusil. Donc, tu as besoin de la mémoriser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui mémorise, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont prendre un passage, qui vont le mémoriser, c'est correct. Moi, j'aime mieux lire la Bible régulièrement et tranquillement, ça m'imprègne, je m'imbible de la Bible et tout à coup, je me rends compte que je suis capable de réciter des passages parce que je les ai tellement lus. Donc, ça peut être quelque chose, mais tu as besoin... Vous savez, il n'y a rien de plus frustrant quand tu arrives à l'épicerie et tu as oublié ton NIP. Transaction refusée. Et il y a plein de chrétiens dans leur combat spirituel, tu vis des transactions refusées. Parce que tu n'as pas mémorisé la Bible. Donc, tu as besoin de mémoriser, tu as besoin de serrer la parole dans ton cœur. Tu as besoin d'aller plus loin, tu as besoin même de l'étudier. L'étudier, ça veut dire pas nécessairement la lire rapidement et dire « je vais lire ma Bible en un an », mais prendre le temps de prendre un livre, je ne sais pas, Galates, puis tu dis là, je vais lire Galates 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois de suite. Moi, je te garantis que tu vas connaître Galates. Donc, c'est important. Et Jésus, on le voit, Jésus a étudié la Bible. Lorsque le diable lui donne un verset hors contexte, Jésus a pu répondre parce qu'il connaissait le contexte. Lorsque le diable, lorsque tu entends des choses hors contexte, quand tu étudies la Bible, tu peux répondre spirituellement. Je te donne un exemple. Souvent, on n'a pas toute l'information. L'équipe pastorale et le staff, on se réunit à toutes les semaines le mardi dans une salle en haut, ici à l'église. Et sur le téléphone, dernièrement, on est un peu
estomaqué de voir ce qu'il avait décrit sur le téléphone. On peut mettre la photo, s'il vous plaît. Salle de con. Le problème, c'est que Férence n'entrait pas sur l'écran. Salle de conférence. Maintenant, est-ce qu'on s'entend que c'est important d'avoir toute l'histoire? Puis il y a des gens, tu peux prendre un verset hors contexte, mais la puissance de la Bible est lorsque tu connais l'histoire. Et moi, je t'encourage à faire quelque chose pour étudier la Bible. Premièrement, une des choses que moi je décris beaucoup, et là je vais vous donner un beau mot, là, c'est l'atomisation des versets. C'est-à-dire, on prend des versets pile-mile, puis on les garoche comme ça. Puis la Bible, il faut la respecter, c'est plus qu'un catalogue de promesses. La Bible, oui, il y a des promesses. Mais la Bible, OK, il y a des gens qui lisent la Bible. OK, ce matin, bon, psaume. Demain, au hasard, OK, je suis dans Corinthiens. Après ça, tu lis un petit bout de Genèse. Est-ce que tu as déjà essayé de lire un roman comme ça? Pourquoi est-ce qu'on le fait avec la Bible? Lis le livre au complet. Et avant de lire le livre, moi, je te conseille, achète-toi une bonne Bible d'étude. Parce que dans les bonnes Bibles d'études, non seulement tu as le texte biblique, mais tu as une introduction qui va te donner les clés pour comprendre. Comprendre Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Corinthiens, Apocalypse. Une bonne Bible d'études. Là, il y a des gens qui vont dire, « Oui, mais pasteur Gaétan, ça coûte cher une Bible d'études. » Ça coûte à peu près 60 $. Puis ton téléphone, il te coûte combien par mois? Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Choisis, mon ami, mais moi, je pense que ta Bible va t'emmener plus loin que ton iPhone. Étudie la Bible, c'est-à-dire lis-la sérieusement, puis applique-la. Applique-la à Jésus. Lorsqu'il réfléchit au désert, à l'expérience d'Israël dans le désert, il l'applique à son désert, à lui. En passant, je l'ai mentionné, permettez-moi de me répéter, il y a deux manières de lire la Bible, la bonne et la mauvaise. La mauvaise, c'est de voir la Bible comme de voir les héros bibliques en disant « Je suis le héros qui doit monter vers Dieu ». Ça, c'est la mauvaise. La bonne, et c'est la manière que Jésus lisait la Bible. Ce n'est pas toi le héros qui doit monter vers Dieu, c'est Dieu le héros qui est descendu vers toi. Dans chaque verset, écoute-moi bien, dans chaque passage de la Bible, chaque passage de la Bible te renseigne sur ton besoin de Dieu. Et dans chaque page de la Bible, il y a la grâce de Dieu. Partout dans la Bible. Donc, à chaque fois que tu ouvres la Bible, ne la vois pas comme une fenêtre pour regarder le péché des autres, vois la Bible comme un miroir qui te renvoie à ta réalité. Dans chaque page de la Bible, ça me parle de mon besoin. Et ça me démontre la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, le secours de Dieu, le soutien de Dieu. C'est lui le héros de ma vie, ce n'est pas moi. Donc, quand tu lis la Bible, tu lis Abraham, tu lis Gédéon, tu lis David, ces gens-là, oui, ont fait des exploits, mais c'est des pécheurs. Ils ont fait un paquet d'erreurs et la Bible ne les censure pas. Mais arrête-toi et dis, Seigneur, quel est mon besoin dans ce texte-là? Et où est ta grâce dans ce texte-là? Et aujourd'hui, je vais être conscient de mon besoin et aujourd'hui, je vais recevoir ta grâce sur ma vie. C'est ça, appliquer la Bible. Et moi, j'ai formé des prédicateurs la fin de semaine, il y a deux semaines, et je disais aux prédicateurs, la plus grande des prédications, ce n'est pas celle que tu fais devant les gens, c'est celle que tu prêches à toi-même. Moi, régulièrement, je vous dis, là, je prêche à peu près 100 fois par semaine. Je vous prêche à vous une fois, puis je me prêche 99 fois à moi. Et qu'est-ce que je fais? J'applique la bonne nouvelle de Jésus. Mon identité. Des fois, je suis là, je dis, hey, pourquoi est-ce que je fais les choses? Est-ce que je fais les choses pour être aimé, pour me valoriser, pour donner un sens à ma vie, ou est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? J'applique la bonne nouvelle à moi dans mes relations. Lorsque je suis centré sur moi-même, j'applique la bonne nouvelle en me disant, Philippiens me dit, ne considérez pas vos intérêts, mais considérez plutôt ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Par rapport à Dieu, alors que je doute quelquefois de l'amour de Dieu, je doute de « Seigneur, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? » J'applique la bonne nouvelle qui me dit « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. » Mais tu as besoin de l'appliquer. Jésus a appliqué le texte à sa vie. Et je termine. Tu dois aussi le pratiquer. Parce qu'ultimement, le but, pourquoi est-ce qu'on lit la Bible, pourquoi est-ce qu'on l'étudie, c'est qu'on veut la pratiquer. D.L. Moody a dit,
Dieu ne nous a pas donné la Bible pour accroître notre connaissance, mais pour changer notre vie. Ce livre-là, moi je le vois, lorsque je néglige ce livre, ma vie spirituelle régresse. Lorsque je me rapproche de ce livre, lorsque je lis, lorsque j'étudie ce livre, ma vie spirituelle progresse. Pourquoi? Parce que c'est l'épée de l'esprit. C'est l'outil du Saint-Esprit. Refuser de lire la Bible, c'est d'enlever au Saint-Esprit l'outil le plus puissant pour transformer ta vie. Ce livre-là est non seulement un miroir qui me renvoie à mon état, c'est une lampe qui me dirige dans des moments de confusion où je cherche la volonté de Dieu. Ce livre-là me donne la direction, c'est une lumière sur mon sentier, c'est une boussole qui m'aide à rester focusé sur Dieu, de garder mon cœur à la bonne place. Ce livre-là est un marteau, comme nous dit Jérémie, qui m'aide à bâtir quelque chose de solide. Ce livre-là est un fondement. Moi, j'ai mis l'ensemble de ma vie personnelle, ma vie conjugale, ma vie familiale, ma vie professionnelle, et sur ce livre-là, c'est le fondement de ma vie. On dit souvent, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Moi, je l'ai fait. J'ai tout mis mes œufs dans le panier de Jésus. J'espère qu'il va se révéler fidèle. C'est mon épée. C'est mon tout. Et en terminant, j'aimerais présenter quelque chose. J'ai vu, et tout juste avant la réunion, j'ai vu quelque chose passer rapidement et je ne sais pas si on va être en mesure de vous le présenter, mais hier, il y avait une partie de hockey et il y a eu un petit 30 secondes sur le masque de Carey Price. Derrière le masque de Carey Price cette saison, et c'est un verset de la Bible, John 3.16, et je lui ai posé la question, pourquoi Jean 3.16, verset 16? Il dit, parce que c'est le plus important, mon cher Félix. La définition, s'il vous plaît. Oui, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il y a d'autres joueurs également qui ont apprécié ce segment de la Bible. On pense notamment à Tim Tebow, ancien joueur de la NFL, maintenant au baseball. Alors, c'était notre portion au jour du Seigneur, messieurs. Hey, ça, c'est génial! Jean 3.16 à TVA Sports devant 1 million de personnes. Et je trouve que ça conclut bien ce message sur Lee, sur la parole de Dieu. Vous savez, Carey Price réalise que son meilleur instrument, c'est pas son bâton d'hockey, c'est l'épée de l'esprit. Amen. Et alors que Terrebonne continue de son côté, merci mes amis d'avoir été là. Que nous...